Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session. Pour aujourd'hui, on aura besoin soit d'un bâton, d'un manche à balai, peu importe. Allez, on est parti pour s'échauffer. On commence avec la tête. Allez, dans les deux sens. Ensuite, les épaules. Allez, on change de sens. Ensuite les coudes. Les poignets. Allez, dans les deux sens. Ensuite, rotation du buste. Ensuite le bassin. Allez, les mouvements bien larges. Change de sens. Ensuite, on enroule les jambes, on alterne. Les genoux. Quelques rotations dans les deux sens. Ensuite, chevilles. Ensuite, on va prendre le bâton, continuer à s'échauffer. Donc, il y a trois exercices. Rotation au-dessus de la tête. Ensuite, développé militaire et ensuite le squat avec la barre sur les épaules. On va faire tout ça deux fois. Allez, 10 répétitions à chaque fois, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Si jamais c'est trop dur, on peut venir faire des rotations d'un côté et de l'autre, comme ceci. Ensuite, développé militaire. On fait attention à son gainage, à garder le dos droit. Et on vient développer au-dessus de la tête. Et 10. Ensuite, on passe au squat. On met bien la barre sur les trapèzes, les épaules. Et on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repart. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on peut poser le bâton, boire un peu d'eau. Alors, on va partir sur un circuit qui dure 6 minutes. Il y a 4 exercices, c'est 8 répétitions de chaque exercice. Le but, c'est de faire un max de tours. Premier exercice, tirage menton, comme ceci. Les mains sont presque jointes. Laissez les coudes qui montent. On essaie de ramener le bâton pratiquement au menton. Ensuite, rowing. Les genoux sont légèrement fléchis, le buste est penché sur l'avant avec le dos bien droit, les omoplates resserrées. Et je viens tirer la barre au nombril.
Ensuite, je positionne ma barre sous le menton. Je viens faire un squat et développer au-dessus de la tête. Et on enchaîne. Et le dernier, petite variante de jumping jack. La barre au niveau du buste. Et quand je vais écarter les jambes, je vais pousser devant. Allez, on se prépare. On est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, il reste 52 secondes. On continue, on essaie de finir le tour. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on enchaîne jusqu'au bout. Et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez à 5 secondes. On a fini. Allez, on pose, on boit un peu d'eau. Allez, on va passer aux étirements. On va se mettre au sol. On tend d'une jambe, plier l'autre à l'intérieur et on descend sur la jambe tendue, on respire, on récupère, on se détend. On change de côté, pareil, même chose. Devant, avec les deux jambes tendues, on vient s'incliner, on essaye d'attraper soit tibia, cheville ou orteil, et avec les orteils on essaie de les ramener vers soi pour tirer les mollets. On relâche, ensuite on se met en squat profond. Les coudes à l'intérieur des cuisses, on va venir pousser. On essaie de garder le dos droit. Ensuite, on va venir poser les mains au sol. On va venir écarter les jambes. Voilà. On va ressentir l'étirement au niveau des adducteurs. On garde son dos droit. Les mains à plat, posées au sol. Ensuite on relâche, on se redresse gentiment, on vient chercher le coude, on ramène le bras derrière la tête, on tire et on incline sur le côté. Ensuite on relâche, pareil de l'autre côté. On relâche. Aussi, on vient chercher le bras devant, on ramène son bras, avec son épaule on essaye de l'envoyer de l'autre côté. On doit sentir l'étirement au niveau de l'épaule. On relâche, pareil de l'autre côté. On relâche, on attrape ses doigts. On cherche à se grandir, grandir. On vient chercher un peu derrière. Et on relâche. Allez, on détend le cou. Ensuite les épaules. On récupère ses bras.
Ensuite, on détend le bassin. On récupère ses jambes. Voilà. Bravo à tous et je vous dis à la prochaine session.